Donc pour le moment, nous sommes en coordination avec les différentes ONG destinées à défendre les droits de l'homme. Et nous sommes en contact direct avec le collectif des avocats. Nous sommes en contact direct des ONG internationales destinées à défendre les droits de l'homme. Et pour le moment, ils ont commencé, l'État a commencé à avoir peur car les mamans ont commencé à s'engager dans la bataille. Et l'État, si nous avons la force, nous aussi nous avons notre force intellectuelle. Et c'est à travers ce jeu-là que nous allons les montrer. Ils ont dit que les étudiants ont brûlé le drapeau. Ils ont dit que les étudiants ont brûlé les bus. Ils ont dit que les étudiants, ce sont des délinquants. Ils ont dit que les étudiants, ce sont des fouteurs de troubles. Mais je me suis posé la question des étudiants. Les étudiants ne sont pas n'importe qui. Car les bus appartiennent à qui? Avant que ça appartienne à l'État, ça appartient à qui? Et si on nous accuse que nous sommes des délinquants, si on nous accuse que nous sommes des fouteurs de troubles, ce sont tous les fouteurs de troubles. Car... Pourquoi on le dit? La Mauritanie a ratifié combien de conventions? La Mauritanie a ratifié combien de traités? Mais dans l'article 14 de la Constitution, on dit que le droit de grève est mentionné là-bas. Et qui la respecte? Qui peut gréver sans qu'on lui lance des grenades lacrymogènes? Qui peut gréver sans qu'on arrête des personnes? Qui peut gréver sans qu'on torture les étudiants? Et nous, je dis que quand le militantisme se trouve dans le sang, quand la détermination se trouve dans le cœur et que l'engagement se trouve dans le moyen des eaux, seule la mort ne peut nous empêcher de militer. Ils peuvent continuer toujours à arrêter les étudiants. Ils peuvent toujours continuer à mettre les étudiants dans les prisons. Mais la queue est tellement longue. Ils peuvent continuer à arrêter les membres du bilan. Mais la relève ne posera jamais de problème. Il y aura toujours des gens qui vont être à la tête. Ils vont essayer de continuer le mouvement car le mouvement maintenant est très puissant. Est très puissant car nous sommes en coordination avec les différentes sociétés civiles qui sont ici. Que ça soit Touche pas, IRA, tous les organismes destinés à défendre les droits de l'homme. Nos mamans sont ici et si les mamans sortent, demain certainement les pères vont être sur le terrain. Après demain aussi, nos petits frères et nos petites sœurs, certainement eux aussi, ils vont sortir sur le terrain. Et en ce moment-là, j'en suis sûr, l'État, ils ont commencé à avoir peur. Mais aussi, si nos petits frères sortent, ils sont sur le terrain, certainement ils auront encore plus de quoi à s'inquiéter. Là-dessus, donc, le combat continue. On ne fait que commencer. Le jeudi, j'avais dit que le combat vient de se commencer. Mais je dirais que la confirmation a eu aujourd'hui, car nos mamans sont ici avec nous. Donc, on va passer la nuit. S'il est possible d'être là d'ici des mois, en tant qu'ils ne libèrent pas les étudiants. Ce qu'on avait fait l'année dernière. Pacifique aussi, pacifique aussi, pacifique aussi, pacifique aussi. Ça, c'est vrai, pacifique. Parce qu'on ne veut pas... Nous sommes des étudiants. Nous sommes des étudiants. Les mamans n'ont qu'à être devant, les étudiants derrière. Mais que ça soit très... La police est partout. La justice est nulle part. La police est partout. La justice est nulle part.
L'autre là, j'ai soigné son enfant pendant une semaine, il n'a rien payé. Le policier là-bas, il me connaît. Marie est professeur, nous sommes des fonctionnaires de l'État, nous sommes des citoyens. On a pris nos enfants pendant
pendant 5 jours, ils n'ont même pas 20 ans. Une fille, c'est une fille encore. Fils à... Maintenant, cette fille, c'est passé la nuit dans la sauce. Je suis le dirigeant du numéro 1.
كنا مع وكيل جمهورية وراجعين بعد إن شاء الله لأن نسوي سابق ندخل في ويكند ولا ما ذاك الرامة يوم حد إن شاء الله تفكروا في تقبلوا محامي يلا والله ما نعرف حقا أنه مدروا لا يقبلوا محاميين هدهم لفون عدم أنا ذا جيت أي طولي وكفنانة وكناشطة حقوق الإنسان يعطي لأنتو المشكلة لا يعطي نحو وجه من وجه البلد ومرة من المجتمع الثاني من الأمور الثاني وإحنا مجتمعين في بلد ومتعايشين ويعطي تنعدوا دائما كلنا يعني مشكلة الثاني هاي الوحدة الوطنية مهمة عندي تماما إلا عادوا غالمين وطبق فيهم الحق ذاك هو الحق ولا قدنا منعوا ولا أنتوا رقاء أنه يمتنا ولا عادوا ما مظالمين تفهم قضية المعترس يعني بعد ما يعودوا لا كلنا وحده لا عادنا حنا عند النظام مشكلة مشكلتنا احنا ولا عادوا ما عندهم مشكلة مشكلته ذاك أنا ما قد أبدا يكون أنت واقفة ضده كالعادة احنا في بلد وعايشين في بلد ومصيرنا في بلد وحدتنا مهمة ولا بد لا تخرج ولا مين عنده الحق يفرق فيه وأنا معروف إني ما قد فرقت فيه غير تمنى متابعة Thank you.